Bonjour Martin. Pour les spécialistes en voiture, j'ai une petite surprise. Et aujourd'hui, nous ferons le test de la BMW X4 de 270 chevaux. Une voiture très sportive, mais très tranquille aussi. Nous commençons. Et pour vous dire, c'est Pilar. Pilar, salut à Martin. Ok, comme tu peux voir, ça c'est la nouvelle BMW X4 et il y a un an exactement. Non, avant était un peu plus court et aujourd'hui est un peu plus sportif que les derniers modèles. Et tu peux voir spécialement devant la voiture, non, c'est un voiture très très sportif de appareillance. Mais surtout, c'est important de voir la condition de la BMW. Comme tu peux voir, la première impression, c'est une impression de la BMW très classique, mais ce n'est pas vrai. Parce que immédiatement, tu peux voir que le tablier est digital. Tu peux voir quand si j'ouvre la porte et il y a une chance pour dire que la porte est ouverte. Mais immédiatement je ferme, l'apparence est une autre fois le classique de BMW. Mais c'est classique uniquement si la forme de conduction est normale. Et pour voir ça, et au centre de il y a la possibilité de changer en trois boutons pour faire une conduction éco. Si j'ai sens éco, immédiatement sens aussi l'intérieur pour dire que tout uniquement peut faire la conduction à 120 par heure. Non, et la publicité qui dans le tablier est de là, les consommes de batterie et aussi de gaz. Mais si nous changeons pour le confort, que c'est le plus normal, ça c'est la forme de l'apparence typique de la BMW. Mais il y a une autre possibilité aussi, que c'est la forme sportive. Et tu peux voir qu'on change et dans une apparence rouge et plus sportif. Nous ferons aussi un test de conduction avec les deux possibilités. Et la modification de l'intérieur de la BMW et aussi un miroir très rond, non, pour la comment est-ce que tu dis la carte, oui, pour voir la carte. Mais il y a beaucoup de fonctions, non, que tu peux changer et pour voir quelque chose que tu veux, parce qu'il y a par exemple la possibilité de regarder en internet et quelque chose, non? Mais tu as la carte, tu as la communication de téléphone, des médias radio pour la musique et tout ça, non? Mais le plus important, la conduction. Nous commençons avec le système de confort, le système normal, mais avec la adaptation de la suspension de la voiture. C'est un système adaptatif qui change immédiatement si tu changes la forme de conduction. Non, nous commençons. Et pour ça, c'est Pilar qui m'aide parce que je vais soit les deux mains pour la conduction. Nous commençons. Et tu peux voir que si la conduction est en mode normal, le saut du moteur d'engine, le saut de l'eau de l'engine est un saut pas fort et un saut normal, et l'accélération et la vitesse que tu obtiens est très très facile, très tranquille, avec une conduction de confort que
fait facile de voyage en beaucoup de kilomètres. Mais Pilar, si tu peux en regarder ici, parce que nous chansons de la conduction de confort à la conduction sportive. Tu vois aussi, les sauts du moteur changent immédiatement et tu... Pilar, s'il vous plaît, la route. Et parce que j'ai fait en accélération et tu peux voir que les sauts changent immédiatement et la vitesse est incroyable. En ce moment... est parfait pour faire une conduction sportive.